Ok, donc elle vient d'arriver à la salle. Je parle bien sûr de la machine Cybex. Donc du coup, bah, pour nos adhérents, vous l'avez peut-être déjà vu depuis lundi. Donc que dire sur cette machine? C'est une machine assez rare. On va peut-être parler de la marque avant. Donc Cybex, c'est une marque américaine. Donc on en voit assez peu en France parce que du coup, bah, ça vient de l'autre côté de l'Atlantique. Et du coup, c'est des machines généralement qui sont importées en France. Et du coup, bah, nous, on a eu la chance d'en trouver une chez un passionné, pas très loin de chez nous d'ailleurs. D'ailleurs, Artus, si tu nous regardes, on te passe le bonjour. Donc concrètement, qu'est-ce que c'est comme machine? Donc c'est un développé incliné, convergent, un peu particulier. Donc c'est pas un convergent classique. À la différence, en gros, enfin la différence, si vous voulez, c'est qu'un convergent classique, le mouvement est guidé. C'est très linéaire comme mouvement. Alors que là, vous allez voir quand on va l'essayer, il y a pas mal de degrés de liberté. Et du coup, il y a pas mal de liberté de mouvement. Donc c'est un petit peu moins stable qu'un convergent traditionnel. Donc je vais passer à la démonstration, comme ça ce sera beaucoup plus concret. Donc concrètement, on a peut-être deux réglages possibles, donc on va pouvoir se rapprocher un tout petit peu. Premier réglage, donc c'est l'assise, hein, bien sûr, c'est assez classique, pour avoir une bonne hauteur. C'est très simple, il n'y a pas de système de gâchette, il faut juste pencher un petit peu, enfin lever la selle et la pencher pour adapter la hauteur. Donc, vous allez voir, c'est très, très intuitif. Donc je lève un petit peu, j'ajuste la hauteur, je relâche. Et ça se met sur le cran que je souhaite. Donc deuxième réglage, ça va être la hauteur des bras. Donc là, on peut régler en fait la hauteur de départ pour avoir plus ou moins d'amplitude. Donc concrètement, si je veux changer la hauteur de mes petites sécu en dessous, je prends les deux bras ici. Donc on peut reculer un petit peu pour voir un petit peu plus l'abus d'ensemble. Donc je viens lever mes deux bras, je les mets au centre. Et comme ça ici, j'ai mes gâchettes. Où là, je peux lever plus ou moins haut. Donc concrètement, si vous voulez avoir beaucoup d'amplitude sur le mouvement, bah, vous descendez tout en bas. Vous aurez un gros étirement au départ, donc après pour les épaules fragiles, attention. Et à l'inverse, si je ne veux pas avoir trop d'étirement, si j'ai les épaules un peu sensibles, je ne suis pas à l'aise en bas du mouvement, dans ces cas-là, je remonte un peu les sécurités. Donc là, on a 5 rangs de réglage, donc c'est vraiment adapté à tous les types à tous les morphotypes et à tous les types d'épaules, on va dire. Donc là, moi, je vais mettre au numéro 5, donc c'est la hauteur la plus haute. Donc ensuite, les bras, on les remet sur les sécu. Donc là, mes réglages sont faits. Maintenant, je vais m'installer. Donc là, comme sur un banc classique, je viens m'adosser. Donc je positionne bien ma cage thoracique. Hein, c'est comme un développé incliné ou un développé clocher classique. Donc je prends les poignets ici. Là, je vais venir pousser. Et du coup, c'est là où on va venir noter la différence. Que là, les bras, en fait, je peux les bouger vers l'extérieur, vers l'intérieur. Donc en gros, la trajectoire n'est pas préétablie, prédéfinie. C'est vous qui allez créer la trajectoire. Du coup, c'est un peu déstabilisant au départ, parce que des fois, on s'attend à avoir un mouvement très, très linéaire et totalement guidé, alors que ce n'est pas du tout le cas. Du coup, ça va être à vous un peu de trouver la trajectoire qui vous convient. Donc, je descends, tac. Hop. Et ensuite, je repose sur les sécurités. Donc, un petit conseil qu'on peut vous donner pour démarrer, vu qu'elle est à prendre en main, elle demande, on va dire, un petit temps d'adaptation. C'est plutôt de démarrer sur des charges légères avec des tempos adaptés dans le but de pouvoir, tout simplement, de pouvoir vous y habituer et puis de ne pas être pris par surprise, on va dire, sur vos premières séries. Donc voilà pour cette machine. J'espère que la présentation vous aura plu. Je ne sais pas si vous connaissiez cette marque. En tout cas, voilà, c'est une machine qu'on est très content d'avoir ici puisqu'elle est rare. Et au-delà de sa rareté, c'est tout simplement une très bonne machine. Mais voilà, à ne pas forcément mettre entre toutes les mains et surtout à manier avec précaution au départ. Donc allez-y progressivement, montez progressivement en charge, adaptez vos tempos, etc. avant de vouloir penser comme des bœufs dès le départ. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou un petit cœur. Si jamais vous voulez essayer cette machine, bah, sachez qu'elle se trouve dans notre salle, donc ORBC Workout à Rennes. Donc on se fera un plaisir de vous accueillir et un plaisir de vous présenter cette machine au besoin. Donc je vous dis à très bientôt.